Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui pour cette vidéo, je vais vous présenter la palette Sleek que voici. Voilà, c'est la palette Sunset. Alors j'ai décidé de vous faire cette petite vidéo pour vous présenter cette palette parce que franchement, les produits Sleek, voilà, ils sont top, ils sont pas chers et pourquoi s'en passer? Donc cette palette, donc j'ai fait un swatch donc sur ma main, voilà. Je vais vous montrer chacune de ces couleurs pour que vous puissiez mieux vous rendre compte de ce que cela donne. Donc, elle porte bien son nom, hein. C'est vraiment un très joli coucher de soleil. Voilà, donc le maquillage que j'ai fait aujourd'hui, j'ai pas utilisé la palette Sleek. Et pour cause, puisque je vous prépare différents tutoriels sur les palettes Sleek. Je dois en avoir 7, il me semble. J'ai quasiment toute la collection, alors... Pourquoi s'en passer? Donc je me suis dit que ce serait vraiment très sympa de faire des différents tutos sur ces palettes parce qu'elles ne coûtent pas cher. Je l'ai acheté, il me semble, 7,99 €. Il y a 12 couleurs dans la palette, donc c'est vraiment un très très bon rapport qualité-prix. Donc voilà. Alors, sans plus tarder, je vais vous montrer. Alors, je vous remonte la palette. Que voici. On va commencer donc par ce très joli bleu, non, pas là, ici, voilà, comme ceci, voilà, regardez-moi ça, c'est pas merveilleux ça, regardez-moi ce bleu, comme il est beau, voilà. Ensuite, il y a le doré, que voici, voilà, juste là, voilà ce que ça donne, voilà, juste à côté du bleu, très très belle couleur, voilà, je trouve que c'est une palette d'ailleurs qui correspond très bien, donc si vous avez un teint chaud comme le mien, c'est vraiment très beau sur les peaux foncées. Alors ensuite nous avons ce très beau orange, j'adore l'orange comme couleur, voilà, regardez-moi ça, voilà, regardez-moi ce beau orange, waouh. Ensuite nous avons ce cuivre qui est ici, juste à côté de l'orange, qui est très très beau également. Regardez-moi ça. Voilà. Donc un très très beau cuivre. Ensuite, il y a un autre cuivre juste à côté, mais plus dans les tons plus chauds, avec des sous-tons rouges. Donc il est là. Voilà, juste à côté du noir, vous voyez. Voilà, il est un petit peu plus chaud que le précédent. Donc, c'est pas mal du tout. Bon, ensuite, il y a le noir. Donc, du noir, c'est du noir. Donc, voilà, le noir, donc, qui est là. Donc, du noir, voilà. C'est la seule couleur mate de la palette. Donc, toutes les autres couleurs sont que des couleurs irisées. Un vrai coucher de soleil dans cette palette. Franchement, elle est super belle. En plus, avec le printemps, l'été qui arrive, franchement, vous pouvez faire des super, super looks avec cette palette. Donc, raison pour laquelle j'ai décidé de faire un tutoriel avec cette palette. Ensuite, nous avons ce rose. Oui, c'est bien ça, le rose qui est là, juste au-dessus. Voilà, donc ça fait un petit peu un rose bonbon qui est très joli. Très doux, voilà, juste à côté du noir. Vous voyez comme il est beau ce rose. Et juste à côté du rose, nous avons une jolie couleur. Donc dans les tons pêche, saumon, voilà, qui est là. On va peut-être mieux le voir sur mon bras. Voilà, qui est juste là. Voilà, à côté du rose. Comme ceci. Ensuite, à côté du saumon, nous avons un autre cuivre. Il y a pas mal de cuivres sur cette palette. Il y en a 4 d'ailleurs. C'est 4 couleurs là que vous voyez. Voilà, c'est différents cuivres mais dans différents tons. Donc regardez-moi ce cuivre là qui se trouve juste ici. Voilà, il est là. Voilà, il se rapprocherait d'ailleurs même un peu d'un doré, mais d'un doré un petit peu plus chaud quoi. Donc, et ensuite, ici. Vous voyez? Voilà, un autre... Désolée, ma palette, elle est un petit peu destroy. Hein. Mais bon, c'est pas grave. Donc, ce cuivre qui est juste là. Voilà, c'est celui-là. Celui-ci.
Ensuite, l'avant-dernier, donc ce cuir qui est un petit peu plus chaud que le précédent, qui est là. Voilà, vous le voyez, hein, il donne un peu sur le rouge même. Hein, vous voyez, c'est l'avant-dernière couleur qui est juste là. Et ensuite, pour terminer cette jolie palette, nous avons cette couleur qui est plus dans les tons marron, chocolat, irisé, qui est juste là. Bon, on voit pas trop bien parce que c'est vrai que sur ma couleur de peau, ça ressort pas très très bien comme ça. Voilà, vous devez voir, c'est la dernière couleur. Elle est vraiment très très belle aussi. Donc voilà, que dire. Franchement, la palette Sleek, la palette Sunset, je vous la conseille vivement. Alors Sleek, c'est une marque anglaise qui, je pense, au départ, était destinée plutôt aux femmes de peau noire, me semble-t-il. Mais bon, vous avez vraiment toutes les couleurs, toutes les carnations de peau. Voilà, donc c'est une marque qui est donc très accessible. Franchement, non, mais 7,99 pour 12 couleurs, franchement. Et en plus, les couleurs, elles sont hyper pigmentées. Elles sont vraiment très, très belles. Donc, pourquoi s'en passer? Et en plus, donc, la bonne nouvelle, c'est que Sleek livre au niveau international. Donc, où que vous soyez, vous pouvez commander sur leur site internet. Donc, ils livrent partout. C'est vraiment pas cher. Quand j'ai découvert cette marque, je suis vraiment tombée sous le charme. Et c'est la raison pour laquelle j'ai quasiment toutes les palettes, quoi. Hein. Bon, je ne les ai pas toutes, évidemment, mais bon, dès qu'ils en sortent une... tout de suite, je l'achète, quoi. Parce que, voilà, je sais ce qu'il y a dedans. Je sais que ce sont des produits vraiment de très, très bonne qualité. Et surtout, très bon rapport qualité-prix. Donc, vraiment, vous ne pouvez pas vous tromper avec cette palette. Donc, si vous ne connaissez pas, donc je suis bien contente de vous l'avoir fait découvrir. Et voilà, n'hésitez pas à aller sur le site, aller voir leurs produits, enfin, les palettes. Ils auront vraiment aussi d'autres maquillages. Mais bon, là, on va rester sur les palettes pour l'instant. D'ailleurs, j'ai décidé de vous faire différents tutoriels uniquement avec les palettes Sleek. J'en ai 7, voilà, donc autant les exploiter et vous montrer justement ce que l'on peut faire avec ces palettes là. Donc très bientôt vous allez découvrir donc différents tutoriels sur ces palettes. Donc voilà, je vous remontre encore, regardez-moi ce bel arc-en-ciel, c'est pas joli ça franchement? Donc voilà, donc une petite vidéo pour vous présenter donc la palette de chez Sleek. Donc c'était la palette Sunset, merci de m'avoir regardé. Et voilà, donc merci de m'avoir écouté, merci d'avoir regardé cette vidéo. Si cela vous a plu, n'hésitez pas à liker. Et surtout, abonnez-vous à ma chaîne. Voilà, je vous dis merci. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao, ciao!